I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you. No other will do. Je me dis, t'es taré. T'es complètement taré. Mais non. Mais je l'ai repris le club sans y penser. Et puis je dis, allez, on va refaire quelque chose. Et puis voilà, je me suis pas posé tant de questions. Je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire. J'avais 40 ans, c'était le bon moment. Voilà. J'étais bien. Ça vous parle ici? C'est chez vous? Ici, ouais. C'est mon pays. C'est mon pays, et puis j'ai toujours été dans la pêche. Je suis parti, j'ai quitté l'école à 16 ans. Je suis parti en Norvège, après en Écosse. Mais toujours dans le milieu de la pêche. J'ai toujours fait ça. Je sais faire que ça, d'ailleurs. C'est pour ça qu'au football, je suis pas bon. Parce que je sais faire que le poisson. Moi. Mon père a amené le professionnalisme à Boulogne en 59. Le club devait arrêter, déposer le bilan. Non seulement il l'a repris, il l'a remonté, et puis ils sont devenus professionnels. Donc moi j'avais 9 ans, donc j'ai baigné dedans. Et puis en 91, le club de Boulogne était en perdition, et puis le maire m'a demandé de le reprendre à l'époque. En fait, je me suis fait avoir, parce que je me suis retrouvé président. Je ne savais même pas que j'étais président. Ils m'ont mis président, et puis... Puis voilà, puis je me suis investi, c'était le début de l'aventure. C'était sympa. Ce qui est étrange en fait, c'est que lui le pêche, vous le ramène, et c'est vous qui le... Il est pour son compte. D'accord. Vous avez le temps de vous occuper du club de foot? Vous y allez tous les jours? Tous les jours. 3 heures, 4 heures par jour. Au club de foot? Ouais. Ah, vous êtes assez présent. Ouais. Oui, je suis assez présent, mais je suis pas... 24 heures sur 24. Je travaille ici 3-4 heures et 3-4 heures au club. D'accord. Ça vous prend du temps quand même. Ça me prend du temps, oui. Mais enfin, c'est une passion. Mais souvent, on a pu le voir par le passé que la passion, parfois, coûte cher. Oui, mais il y a des fois, faut pas calculer. Puis comme j'ai dit, je me consacre un peu à ma famille parce que je ne leur ai pas accordé beaucoup de temps jusqu'à maintenant. J'ai une fille de 11 ans et une autre fille de 22 ans. J'ai envie de m'occuper un petit peu d'elle et puis leur donner du temps. Vous avez donné beaucoup dans le football? Oui, j'ai donné beaucoup, mais ça fait partie de ma vie. C'est comme ça. Et le moment où ça m'a pris le plus d'émotion, ça a été quand on s'est maintenu à la dernière seconde en Ligue 2. Je priais. Et je parlais à mon père et puis je dis, papa, vraiment, tu te fous du monde. Je suis monté en Ligue 2 et puis maintenant, au bout d'un an, je redescends. Bon, c'est que je le mets. Et puis je parlais à mon père comme ça. Puis d'un seul coup, paf, but. Et on est maintenu. Vous étiez en train de prier. Je reviens là-dessus parce que ça me... C'est la superstition, c'est quoi? Vous êtes superstitieux? Ben tous. Vous n'êtes pas superstitieux, les joueurs? Un petit peu, mais ça marche pas. Mais je non plus. Ça marche pas tous les coups. Non, mais vous savez que dans mon métier, c'est pareil. Quand des fois des bateaux, ils partent en mer, je dis, j'espère qu'il va faire une bonne pêche. Bon Dieu, je dis, tu vas nous entendre un peu. Mais il faut aussi un peu de chance, quoi. Comme dans le football. Et ce match de Saint-Étienne, ouais. C'est un événement, non? Ouais, c'est sympa. Ils sont archi favoris. Hein. Ah, mais dans le football, on a perdu... On est 11 contre 11. On est 11 contre 11 et la Coupe de France, justement, permet d'avoir des... Tout à fait. Seule la Coupe de France permet d'avoir des aventures comme ça. Et surtout, quand on voit les tours précédents... Ah ben, moi, j'ai pas dit qu'on allait perdre. Non, non, il y a toujours des... J'ai dit que les autres sont largement favoris. Pas pareil. Ah, eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite, alors.